Shalom, 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 shalom. Dès que vous êtes connecté, mettez des cœurs et partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. On attend que quelques personnes se connectent et on va commencer. On attend la connexion et le partage des autres frères et sœurs et on va commencer. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel, tu es Dieu. El Shaddai, tu es mon rocher, ma forteresse, le rocher de mon cœur. Korabashakataraba. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Je vais faire un direct avec vous et nous allons commencer donc la semaine avec ce direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous. La semaine qui arrive va débuter ma consécration et mon voyage de consécration. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous accorder le lundi ou le mardi, mais ce que je sais, c'est que je ferai un effort si je peux vous retrouver encore le lundi, je serai là. Si je peux vous retrouver le mardi, je serai là. Mais à partir de mercredi, démarre mon voyage de consécration. Donc, on verra comment ça va se passer. Bien-aimés, pour le mois d'octobre, je fais déjà un communiqué. Je vais faire une action prophétique le mois d'octobre. Alors, tous ceux qui veulent recevoir un secret prophétique, qui veulent recevoir une action prophétique pour leur vie, pour ce qu'ils vivent, pour ce qu'il se passe dans leur vie, pour la promotion, pour tout ce qu'ils veulent, j'ai une action prophétique pour toi que je ne ferai pas en direct. Je ne ferai pas dans un direct. Tous ceux qui souhaitent un conseil pour une action prophétique concernant leur vie, à partir de début octobre, inscrivez-vous auprès de ma secrétaire. Faites une action, faites une offrande, parce que je suis en train de recueillir des offrandes pour la construction d'une église, pour soutenir un jeune pasteur, pour soutenir un jeune prophète qui est en train d'ouvrir un camp de prière. Alors, toutes les personnes qui vont s'inscrire pour cette action prophétique, vous ferez une offrande qui vient de votre cœur, selon votre moyen, qui vient de votre cœur, ce que Dieu vous met à cœur. Sans oublier que cette offrande que vous faites servira pour la construction. Il a déjà son terrain, il a déjà un peu d'argent de côté. On va l'aider à faire sortir son église de terre. Donc, tous ceux, oh, sois béni, précieux Giovanni Guébou, sois béni. Que la grâce soit sur ta vie. C'est un honneur de te voir ici. Tous ceux qui peuvent soutenir cette action prophétique, tous ceux qui peuvent soutenir ce jeune serviteur de Dieu, je ferai une action prophétique. Tu t'inscris auprès de la secrétaire. Le numéro de la secrétaire, c'est +33 ou 0033 6 24 08 56 89. Quand vous allez vous inscrire, vous dites que c'est pour l'action prophétique du mois d'octobre. Frère, je vais te donner un secret pour ta vie. Même s'il y avait un sorcier qui était lié à ta vie, ce sorcier va te laisser tomber. Donc, je ne peux pas faire un direct pour donner des actions prophétiques comme ça, de ce genre. Alors,
inscrivez-vous plus 33 ou 0033 auprès de la secrétaire. Plus 33 0033 6 24 08 56 89. Que Dieu vous bénisse. Et je me retire bientôt, je vais jeûner. Je jeûnerai pour beaucoup de personnes. Je lance encore un deuxième appel. Tous ceux qui ont pris rendez-vous avec moi, tous ceux à qui j'ai donné une action prophétique à faire, tous ceux à qui j'ai donné une orientation qui sont venus vers moi, si tu as fini l'action prophétique, ou si tu es venu vers moi, ça fait quelques jours, envoyez-moi tous un audio. Chacun un audio. Oui, homme de Dieu ou papa, voilà, j'avais prié avec toi tant, tu m'avais dit tant. Parce que je vais vous inscrire sur une feuille. Je m'en vais en prière, donc je vais prier pour vous. Donc pour me rappeler, vous êtes tellement nombreux, donc pour me rappeler de vous, il faut que vous m'envoyez tous des audios. Tous ceux pour qui j'ai prié, surtout ceux qui ont béni ma vie, qui ont béni mon ministère, ceux qui ont participé à une action prophétique, ceux à qui j'ai donné une orientation, ceux qui ont pris rendez-vous. Je vous conseille de m'envoyer un audio. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini avec les annonces ce soir. Jéhovah Nigebu, sois béni, précieux. Ouais, que la grâce soit avec toi. Tu es là. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce soir, je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte à tes enfants? Il me dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'ai dit, waouh. Mettez les cœurs partagés, c'est une nouvelle page. Tout le monde ne la connaît pas. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner toute ta vie. Je vais décortiquer quelque chose ce soir. J'espère que tu es prêt. Nous n'allons pas nous focaliser sur le psaume 23. Mais dans le psaume 23, il est écrit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous comprenez? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu ondules ma tête. Ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alors, si je comprends bien, oh c'est merveilleux, alléluia, si je comprends bien, pour habiter dans la maison de l'Éternel, il faut d'abord que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Oh, je vais pousser ce soir pour toi. Je vais pousser. Tu ne peux pas habiter dans la maison de l'Éternel si le bonheur et la grâce ne t'accompagnent pas. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Figure. Et puis il rajoute, Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est lorsque le bonheur et la grâce m'ont accompagné tous les jours de ma vie que je peux prétendre habiter dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paradis commence sur la terre. My God, ça veut dire que tu es né pour vivre le bonheur. Si tu as accepté Dieu, tu dois vivre le bonheur. Avant d'habiter
dans la maison de l'Éternel, avant de même parler du royaume des cieux, ton paradis doit commencer sur la terre. Le bonheur doit commencer dans ta vie sur la terre. Tu dois goûter le bonheur. Tu dois goûter le bonheur. Tu dois goûter le bonheur sur cette terre. Oh my God! Il y a l'argent qui existe dans ce monde. Tu dois avoir l'argent. Il y a la joie qui existe dans ce monde. La joie doit te localiser. Le bonheur existe sur cette terre. Le bonheur doit te localiser. Il faut arrêter de dire, oh, parce que je suis chrétien, je supporte, je vis mes épreuves, c'est ma croix. Tu vas porter quelle croix encore? Jésus-Christ a déjà porté la croix. Jésus-Christ est déjà mort. Jésus-Christ a été déjà ressuscité. Avant qu'il meure, il a dit, tout est accompli. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oh my God. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Je suis venu te parler du bonheur. Tu as droit au bonheur sur cette terre. Tu as droit à la joie. Tu as droit au bonheur. Tu dois arrêter de grincer les dents sur cette terre. S'il y en a qui ont des millions, toi aussi tu as droit aux milliards. S'il y en a qui ont des milliards, tu as droit au-delà des milliards. Tu n'es pas né pour ne pas vivre le bonheur. Est-ce que tu es en train de me dire amen? David dit, l'Éternel est mon berger. Il commence le psaume 23 disant, l'Éternel est mon berger, rien ne me manque. Dans la version originale, ce n'est pas écrit, je ne manquerai de rien. C'est écrit, rien ne me manque. Il affirme que rien ne va lui manquer, rien ne le manque. Le bonheur, il dit, l'Éternel est mon berger, rien ne me manque. Frère, je vais te convertir ce soir. Celui qui t'a dit que quand on est chrétien, on doit rester pauvre, dis-lui qu'il n'a qu'à garder sa foi. Celui qui t'a dit que lorsqu'on a accepté Christ, on doit rester misérable, dis-lui de garder sa foi. Dites-lui de rester dans la misère. Je suis venu t'annoncer que tu as droit au milliard. Je suis venu t'annoncer que tu as droit au million. Tu dois construire la maison que tu as envie de construire. Tu dois dormir dans les endroits dont tu as envie. Tu dois rouler dans les voitures qui te font plaisir. Ne laisse personne te dire que parce que tu es chrétien, parce que tu as accepté le Seigneur, tu dois vivre dans la misère et la pauvreté. Je bannis cela de ton esprit. C'est toi qui dois avoir les meilleures choses de cette terre. Parce que l'Éternel est ton berger. Et rien ne te manque. Le mot rien ne me manque. Rien ne me manque. L'argent ne peut pas me manquer. L'or ne peut pas me manquer. La richesse ne peut pas me manquer. Tout ce que je veux, je l'obtiens. Écoute, lis ta Bible. Aucune personne que Dieu a choisie et que Dieu a appelée n'est restée pauvre. Quand tu vas par Noé jusqu'à Abraham, jusqu'à la fin, même l'église de Jésus-Christ n'était pas pauvre. La pauvreté ne fait pas partie des parfums que Dieu utilise. Il y a une odeur désagréable qui s'appelle pauvreté, échec, blocage, que Dieu n'aime pas sentir. Oh, quelqu'un m'entend ce soir. Quelqu'un m'entend ce soir. On nous parle de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Et on nous dit que le pauvre Lazare est parti au ciel et le riche est parti au ciel, est parti à l'enfer.
Mais le riche n'est pas parti à l'enfer parce qu'il était riche. Le riche est parti à l'enfer parce qu'il était mauvais. Le riche n'est pas parti à l'enfer parce qu'il était riche. Le riche est parti à l'enfer parce qu'il était mauvais. Être riche ne veut pas dire avoir quitté Dieu. Lorsque tu as les moyens, tu peux construire des églises. Lorsque tu as les moyens, tu peux faire des croisades. Lorsque tu as les moyens, tu peux aider les pauvres. Lorsque tu as les moyens, tu peux aider les orphelins. Lorsque tu as les moyens, tu peux organiser tous les programmes que tu veux pour Dieu. Mais si tu n'as pas les moyens, tu penses, tu réfléchis, je veux, si j'avais, si je pouvais, je veux, si un jour je pouvais, je veux, si un jour j'allais, je pouvais, je veux. Tu ne fais que sentir les si dans ton cerveau, mais tu ne peux rien accomplir. Il y a des gens qui n'ont même pas la grâce, la puissance qui est dans ta vie. On les considère comme des gens puissants. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens. À partir d'aujourd'hui où tu m'écoutes, prie contre la pauvreté. Prie contre l'échec. Prie contre le blocage. Dis au Seigneur, David a dit, l'Éternel est mon berger. Rien ne me manque. Mais tu n'as pas le droit de me priver de quelque chose. Dis à Dieu qu'il n'a pas le droit de te priver de quelque chose. Il n'a pas le droit de te priver du bonheur. Il n'a pas le droit de te priver... Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Comment les fils du diable vont vivre dans le bonheur, dans la joie? Et toi qui es fils de Dieu, tu vis dans le tourment, dans le chagrin, dans la pauvreté. Donc entre vous, vous deux, votre Dieu là, qui est puissant? Nous devons avoir des chrétiens milliardaires, multimilliardaires, des très grands banquiers, des grands hommes d'affaires. Nous devons avoir des chrétiens présidents de la République. Nous devons avoir des chrétiens ministres, des chrétiens ambassadeurs. Nous devons avoir des chrétiens multimilliardaires. Cela fait partie aussi du réveil spirituel. La pauvreté ne peut pas créer le réveil spirituel. L'onction seule ne suffit pas. L'onction tout seul ne suffit pas. La prophétie seule ne suffit pas. Le parler en langue seul ne suffit pas. Chasser les démons seul ne suffit pas. Il faut aussi les moyens. Et c'est cela le bonheur. L'Éternel est mon berger, rien ne me manque. Il me fait reposer dans de verts pâturages. On ne dit pas qu'il me fait reposer dans la sécheresse, dans le désert, dans de verts pâturages. Ça veut dire que c'est là où c'est bon, là où c'est agréable, là où on mange en paix, là où on dort en paix. C'est là que Dieu me permet de me reposer. Aujourd'hui, les gens jugent les pasteurs. Oh, un homme de Dieu, pourquoi il a 3 voitures? Pourquoi il a 4 voitures? Pourquoi il a une grande maison? Pourquoi pourquoi est-ce qu'il dort presque dans un château? Pourquoi est-ce que ses vêtements coûtent cher? Pourquoi sa chaussure coûte trop cher? Mais sa montre, regarde, il porte de l'or. Écoute-moi très bien. C'est parce que c'est un représentant de celui à qui appartient l'or et l'argent. C'est parce que il est l'ambassadeur de celui qui détient toutes les richesses. C'est parce que sa vie doit refléter la gloire. Un pasteur pauvre, un prophète misérable, lorsqu'il prêche l'évangile, les gens ont du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que les gens voient la pauvreté dans sa vie. Mais lorsqu'une personne est remplie de richesses,
Lorsqu'une personne est dans la gloire, il peut s'arrêter devant un président de la République, un roi, un monarque, n'importe qui, et lui dire, écoute, accepte Jésus. La personne le regarde et la personne sait qu'il est. Il a aussi des je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous expliquer. Mais celui qui est pauvre, il ne peut même pas rentrer dans le palais des rois. C'est pourquoi Dieu élève certains serviteurs. Arrêtez de vous plaindre qu'il y a des pasteurs qui sont riches. Arrêtez de vous plaindre qu'il y a des pasteurs qui sont milliardaires. Dieu les a rendus ainsi, normalement pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ceux qui gardent pour eux, ceux qui sont égoïstes, ceux qui sont avares, c'est leur problème. C'est entre eux et Dieu. Mais Dieu élève certaines personnes pour que ces personnes fassent avancer sa gloire dans le monde. Se souviennent des pauvres, des veuves et des orphelins. Si j'ai le désir d'aider des orphelins et que je n'ai pas les moyens, avec quoi est-ce que je vais le faire? Si tu as le désir de faire des croisades partout dans le monde, même gratuit, mais tu n'as pas les moyens, avec quoi tu le fais? Si tu as le désir de voyager, de faire une tournée internationale dans les villages, dans les endroits perdus pour aider les gens, tu n'as pas les moyens. Comment tu le fais? C'est pourquoi Dieu bénit certaines personnes. Dis ce soir, je suis béni. La richesse me localise. Dis 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 la richesse me localise. Prêcher la richesse n'est pas un péché. On prêche le royaume des cieux. On prêche la délivrance. On prêche la guérison. On prêche pour que les gens se convertissent. Mais celui qui est converti ici n'a rien à manger. Celui qui est converti ici, on le chasse de sa maison qui dort dans la rue. Donc prêcher la richesse n'est pas un péché. Prêcher la prospérité n'est pas un péché. Au contraire, c'est amener les gens à avoir un témoignage. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de. Oh my God. Le diable est en train de jouer à main. Dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Quand on restaure quelque chose, c'est qu'on est en train de réparer la chose. J'annonce à une personne aujourd'hui que le Seigneur est en train de restaurer ta vie. Dis-moi Amen. J'annonce à une personne aujourd'hui que le Seigneur est en train de restaurer tes finances. Dis-moi Amen. J'annonce à une personne aujourd'hui que le Seigneur est en train de restaurer ta prospérité. Dis-moi Amen. J'annonce à une personne ici que le Seigneur est en train de restaurer ton élévation. Dis-moi Amen. J'annonce à une personne ici que le Seigneur est en train de restaurer ton mariage, ton histoire et la vie de ta famille. Dis-moi Amen. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit tout, tu vas vivre des épreuves sur cette terre. Mais tu ne dois rien craindre. Ça veut dire que tu vas vivre des combats sur cette terre. Mais tu ne dois rien craindre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec toi. La vallée de l'ombre de la mort, ce sont les épreuves, ce sont les attaques, ce sont les difficultés, ce sont tout ce qui vient agir contre ta vie. Il dit, je ne crains rien, je ne crains aucun mal. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, je n'ai pas peur. Car tu es avec moi. Oh my God. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton de l'Éternel peut être pour toi, de temps en temps pour te châtier, pour te mettre à ta place. Mais ça sert surtout à frapper les ennemis qui viennent contre toi. La houlette et le bâton du berger sert à frapper le serpent, le loup et tous ceux qui veulent dévorer les brebis. Tu es protégé, frère. Mais
Et dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Je vais annoncer quelque chose ce soir, dis-moi amen. Ceux qui ne croyaient pas à ton élévation vont rendre témoignage de ta vie, dis-moi amen. Ceux qui ne croyaient pas que le Seigneur va changer ta destinée vont rendre témoignage des choses qui arrivent bientôt dans ta vie. Le Seigneur va bouleverser ta vie. C'est de toi que je parle, dis-moi, amen. Il va bouleverser ta vie avec la prospérité. Il va bouleverser ta vie avec l'élévation. Il va bouleverser ta vie avec une certaine stabilité. Les gens vont se demander comment tu as fait. Je parle de toi qui m'écoutes. Le Seigneur va stabiliser ta vie. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Tu vas commencer à compter les 50 millions, les 60 millions, les 100 millions. Tu vas commencer à toucher. Tu vas savoir c'est quoi l'élévation. Tu vas savoir c'est quoi l'élévation. Ce qui était bloqué va te débloquer. Parce que le Seigneur me met à cœur de te dire qu'il dresse une table en face de tes adversaires. Écoutez-moi, je vais vous donner un réma. Pourquoi Dieu dresse une table en face des adversaires? Dis-moi, pousse. Quand une table est dressée, il y a plusieurs côtés. Celui qui a dressé la table est celui qui choisit le côté où il s'assoit, où il s'arrête. Écoute bien. Celui qui a dressé la table est celui qui choisit où les mets doivent être disposés. Celui qui a dressé la table est celui qui gère la table. Mais la table aussi a une signification. La table te sépare d'une personne. Quand il y a une table, je suis assis derrière mon bureau. Si quelqu'un est là, il est assis de l'autre côté. Le bureau fait une séparation entre lui et moi. Ça veut dire quoi? Il me voit, mais il n'a pas encore la permission de me toucher. Il est juste en face ou à côté. Donc la table est une séparation entre toi et tes ennemis. La table est une séparation entre toi et tes adversaires. Mais sur cette table est dressée des mets. Sur cette table est dressée des bénédictions dont tu dépends. Si tu dis à quelqu'un, tu ne mets pas ta main dedans, il ne met pas sa main. Tu dis à quelqu'un, tu ne touches pas, il ne touche pas. Mais la personne peut regarder. Et il va regarder de loin. C'est celui à qui tu dis, faut t'asseoir. On va manger. C'est lui qui peut s'asseoir. Parce que c'est ta table. C'est toi qui as dressé. Celui que tu ne veux pas qu'il s'approche, tu lui dis, mets-toi au fond là-bas. Tu ne peux pas t'asseoir ici. Du coup, il voit la table de loin. Il voit les mets. Il voit tout ce qui est agréable sur la table. Mais il n'a pas le droit de s'approcher. Et il n'a pas le droit de toucher. Oh, je vais annoncer quelque chose dans ta vie. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Ça veut dire quoi? Dieu va mettre une séparation entre toi et tes ennemis. Mais dans cette séparation, Dieu va permettre qu'ils regardent et te voient en train d'être élevé, en train de prospérer, en train de monter en hauteur. Le Seigneur est en train de dire que la table qu'il dresse veut dire qu'il va changer ton nom. La table qu'il dresse veut dire qu'il va changer ton histoire. La table qu'il dresse veut dire qu'il va changer ton élévation. Ça veut dire que quelqu'un qui ne t'aimait pas va s'arrêter au loin et dire, oh, si je savais, j'allais l'aimer. Malabré, salabroa, la makasata. Ça veut dire que quelqu'un qui ne croyait pas en toi va s'arrêter de loin, en face, et dire, hey, si je savais, j'aurais cru. Ça veut dire que quelqu'un qui voulait te tuer va te regarder. Si elle savait, j'allais jamais décider de le tuer, malabreux, malabreux. Ça veut dire qu'il y a des gens
qui t'ont fait du mal, qui vont tendre la main de loin pour dire, hey, si tu pouvais me donner un peu. Ce qui veut dire quoi? Dresser une table en face de tes adversaires veut dire que Dieu veut changer ton histoire. Dis-moi, amen. Dieu veut changer ta destinée. Dis-moi, amen. Dieu veut changer les choses dans ta vie. Dis-moi, amen. Oh, je suis en train d'avoir la prospérité dans la vie de Adégrasse. L'Éternel est en train de me dire dans la vie de Adégrasse. Ils t'ont combattu, ils t'ont poursuivi, ils ont tendu plein de pièges, mais ils n'ont pas pu t'avoir parce que ton cœur était scellé en moi. Ils ont cru qu'ils pouvaient t'avoir. Je les ai permis de faire ce qu'ils faisaient. Ils sont même allés rentrer dans ton intimité. Ils ont voulu t'avoir, je les ai laissés faire. Mais seulement je ne les ai pas donné la permission d'achever ce qu'ils avaient commencé. Il dit l'Éternel, maintenant ils vont te regarder dans ton élévation. Maintenant ils vont te regarder dans ta prospérité. Maintenant ils vont regarder et voir que j'ai réparé tout ce qu'ils ont voulu détruire. L'Éternel message de Dieu a des grâces. Ne t'ai-je pas annoncé que tu es ma servante? Ne t'ai-je pas dit que je t'ai donné la prospérité et l'élévation? Pendant que tu me priais dans le secret, que tu coulais les larmes, je suis venu te dire de sécher tes larmes que je suis avec toi. Maintenant, regarde, celui-là qui t'a abandonné est en train de revenir. Regarde, ils sont plusieurs. Ils sont en train de frapper à la porte. Mais je te permettrai d'ouvrir la porte qu'à une seule personne. Le kala mofala kasika tala koma karabaka zinkel la paix qui chakarabashir. Il dit, l'Éternel dit, maintenant je te positionne. Regarde cette robe, elle est à qui? Regarde cette caisse remplie d'argent, elle est à qui? Il dit, regarde qui est en train de voyager, de faire le voyage international. Il dit, maintenant l'import et export, ça appartient à qui? Il dit, ne vois-tu pas ces commandes qui sont en train de venir de partout? Il dit, l'Éternel, et le magasin que tu voulais ouvrir, il dit, maintenant ce que tu voulais entreprendre dans ton pays, crois-tu que je ne peux pas le faire? Regarde, c'est maintenant que je vais t'ouvrir les portes. Parce que l'élévation que je t'ai promis va maintenant prendre de l'ampleur. Et si comme un labre contre le fou qu'à sa négé, tu m'es resté fidèle. Il dit, maintenant tu es en train d'attendre. Parce qu'on te promet, parce qu'on te promet. Il dit, maintenant c'est moi-même qui me dépêche pour t'envoyer ce qu'il faut. Et cela va s'accomplir dans ta vie. Oh my Zen, tu brilles. Pendant que je suis en train de donner les paroles, je reçois, je sais de quoi Dieu parle. Mais le Seigneur, par sagesse, ne veut pas que je rentre précisément dans les choses. Il veut que je survole les choses, mais pendant que je parle, le Seigneur me dit, ma fille sait de quoi tu es en train de parler parce qu'elle sait. Et donc, je sais que tu as compris déjà de quoi Dieu est en train de parler. Parce que ce n'est pas toujours que Dieu veut que, pour prouver qu'on est prophète, qu'on vienne détailler la vie des gens en public. Détailler tous les secrets des gens en public. Non. De fois, Dieu est tellement sage que ce n'est pas tout qu'on dit en public, surtout concernant la vie des gens. Mais le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le projet que tu as dans ton cœur, les désirs que tu as dans ton cœur, les réalisations que tu veux accomplir maintenant vont se réaliser. Oh, ma chérie, Isakarabra caché. Nadoda. Je suis en train de voir la prospérité dans ta vie. Le Seigneur me dit que depuis le jour que tu as commencé à te connecter à mon onction, depuis le jour que tu as commencé à prier avec moi, il a commencé à t'ouvrir les portes. Le Seigneur dit qu'il va t'élever. Regarde, je suis en train de voir plantation. Je suis en train de voir construction en location. Et je suis en train aussi de te voir voyager. Je vois encore autre chose que Dieu est en train de me montrer. C'est l'import-export. Je te vois voyager. Je te vois en Europe. Et je te vois en Europe. Je vois que tu es en train de prendre des marchandises dans des camions. Et ces camions-là doivent... Oh. Il dit le Seigneur, c'est maintenant que je vais l'élever.
crois-moi, écris cette date. Tu vas devenir millionnaire. J'ai dit que tu vas compter les millions. Tu vas compter les millions. Et pourquoi je rigole? Parce que je t'ai vu construire une maison, une très belle villa, et tu m'as appelé, tu m'as dit, homme de Dieu, voici les clés, celle-là, c'est ta maison. Je ne dis pas le pays. On dirait que je vais dire non, pour que les gens comprennent, un jour, si ça arrive, qu'ils ne disent pas que je suis menteur. Je vois le pays, c'est le Burkina. Ça m'a labré. C'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Il y a une notion de prospérité qui est en train d'agir ce soir. À partir de maintenant, là, l'argent va te localiser, dis amen. J'ai dit, à partir de maintenant, l'argent localise, te localise. Toi qui crois que c'est de toi, je parle. Je vais déclarer sur la vie de Jean-Gérard Gueye-Coué. Le Seigneur est en train de me dire, voici un de mes fils qui traverse beaucoup d'épreuves. Je ne te connais pas. Le Seigneur dit, ce fils, j'ai décidé de le bénir, j'ai décidé de le rendre prospère. Mais il y a beaucoup d'épreuves, des difficultés, car des alliances ont été posées dans sa famille autrefois. Et ces alliances agissent contre sa vie. Jean Coué, je ne te connais pas, mais le Seigneur me dit qu'à chaque fois que tu touches quelque chose et que la chose va commencer à être bon, ça vient se gâter. Malabroko, saka, laka, mafaku, yala. Zian cheke. Le Seigneur me dit qu'il t'ouvre des portes, il y a des grâces, il y a des occasions bonnes qui arrivent. Au moment où tu vas approfondir la chose, c'est comme si on vient tout saccager autour de toi. Le Seigneur me charge de dire maintenant à cet homme, où est-ce qu'il est? Il dit, aujourd'hui, je retire le voile noir sur ta vie et je retire tous les pièges qui sont sur ton chemin. Et Karaba, oh Karaba, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il y a Nado Da qui dit, tout ce que tu as dit, papa, va se réaliser parce que l'Éternel, ton Dieu, est voilà. Il est où? Le Seigneur va accomplir des choses dans ta vie. Frère, je suis en train de voir des déblocages très puissants dans ta vie. Les projets que tu as au plus profond de ton cœur vont commencer à se réaliser. Tu comprends? Parce que Dieu est avec toi. Il t'a toujours soutenu jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a un combat terrible contre ta vie. C'est comme si, lorsque, c'est pas que tu es pauvre. C'est pas que tu es malheureux. C'est pas que tu manges pas. Mais maintenant, tu dois rentrer dans ta réussite totale. Les choses doivent s'accomplir dans ta vie, frère. Tes projets doivent commencer à se réaliser maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le temps est arrivé pour toi. Mikolo broke sakaraba sheke. Il y a des gens qui viennent en Europe, qui viennent en France. Ils sont en France, mais ceux-mêmes qui sont même en Afrique, de fois, sont plus heureux qu'eux. Parce que dès qu'ils touchent cette porte, qui devait l'arranger, la porte se ferme. Dès qu'il a l'argent, il dit, oh, je vais accomplir ceci, ça vient se gâter. Comme s'il y a des gens spirituellement qui sont là pour voler tout ce qu'ils ont. Aujourd'hui, ce voile noir, je suis en train de voir, quand je parle de ce frère, je vois une femme très méchante. J'ai l'impression qu'il y a une femme très méchante. Cette femme-là a maudit la vie de ce frère. Je ne sais pas si c'est une jalousie familiale. Mais c'est comme si elle a déclaré de mauvaises paroles sur cet homme, ce frère. Au nom puissant de Jésus, à ma qualité de ouin de Dieu, je brise tout ce qui a été semé. Il dit oui.
Vous voyez, le frère dit oui. Le frère dit oui. Pendant que j'étais en train de déclarer sur sa vie, j'ai vu une femme. Et l'esprit me disait que cette femme a déclaré de mauvaises paroles sur lui par méchanceté. Au nom puissant de Jésus, je détruis l'effet de ces paroles. Et je déclare un nouveau départ dans ta vie. Je prie que par les proclamations qui sortent aujourd'hui, ton histoire prenne une nouvelle tournure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est pour les servantes et les serviteurs de Dieu. Que l'onction vous localise. Que l'onction vous touche de là où vous êtes. Que la puissance de Dieu ne cesse d'agir en votre faveur. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, voici notre verset. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Frère, si je fais ce direct aujourd'hui, c'est pour le bonheur et c'est pour la grâce. C'est pour le bonheur et c'est pour la grâce. Tu as besoin de ce bonheur. Tu as besoin de ce bonheur. Que le bonheur rentre dans ta maison. Si la secrétaire là, elle peut écrire mon numéro pour le frère, il demande le numéro. Que le bonheur rentre dans ta vie. Que le bonheur rentre dans ta maison. Que le bonheur rentre dans tes finances. Frère, ce soir je suis révolté contre la pauvreté. Je suis révolté contre l'échec. Je ne sais pas si tu ressens ce que je ressens. C'est bon comme ça. C'est bon. On est fatigué. On a assez attendu. On a assez regardé. C'est bon. Satan n'est pas plus puissant que Dieu. Les démons ne sont pas plus puissants que Dieu. Les sorciers ne sont pas plus puissants que Dieu. L'échec n'est pas plus puissant que Dieu. La pauvreté n'est pas plus puissante que Dieu. Mas, frère Jean Gérard, après tu regardes la photo de la page d'accueil. Mon numéro est là, le numéro est secret. Tout est sur la photo de la page d'accueil. On est fatigué. Tu fais un commerce. Ça ne marche pas. Tu fais un business. Ça ne marche pas. Tu as des projets. Tu ne peux pas les réaliser. Les fils du diable évoluent à côté de toi. Les enfants des ténèbres progressent autour de toi. Tu es enfant de Dieu. Ceux qui voient les féticheurs, les sorciers, les mystiques viennent se moquer de toi et te font croire que leur Dieu est puissant parce que tu n'arrives pas à évoluer financièrement. Aujourd'hui où nous sommes là, nous disons à Dieu, nous disons au Seigneur, puisque tu as créé le ciel et la terre, et puisque tu nous as créés, et puisque l'or et l'argent t'appartiennent, le bonheur à gogo dans notre vie maintenant, la grâce à gogo dans notre vie, le bonheur nous permet d'être à l'aise, le bonheur nous permet de dormir à l'aise, de sourire. Quand on a le bonheur, on ne s'inquiète pas. La grâce nous ouvre les portes. La grâce accomplit des choses dans notre vie. Je suis venu déclarer que l'échec qui te fatiguait,
Que la pauvreté, le blocage qui t'a localisé, avant ça marchait dans ta vie, les choses allaient. Et puis à un moment, ça commençait à mal se passer. J'ai dit, ce qui est venu te bloquer là, ça retourne d'où c'est quitté. Au nom de Jésus, si c'est un sorcier qui a lancé, ça retourne contre lui. Si c'est une sorcière, ça retourne contre elle. Là où est quitté l'échec, là où est quitté la pauvreté, là où est quitté le blocage, que ça retourne maintenant au nom puissant de Jésus. Je déverse une huile d'onction sur ta vie. Dis-moi amen. Frère, je te vois riche. Frère, je te vois prospère. On quitte dans les histoires de 100 euros. On quitte dans les histoires de 1000 euros. On quitte dans les histoires de 200 euros, de 2000 euros. Je dis que maintenant nous avançons dans les histoires d'un million d'euros, 10 millions d'euros, 20 millions d'euros. Nous voulons maintenant compter des centaines de milliers d'euros. Je dis que l'argent te localise, tu ne m'as pas encore dit amen. Que la richesse te localise. Là où on dit il n'y a pas l'argent, que l'argent te dit je suis là. Là où on dit il n'y a pas de bonheur, que le bonheur te dit je suis là. Là où on dit il n'y a pas la grâce. Je dis si Dieu doit retirer, arracher aux païens pour te donner, que Dieu les arrache pour te donner. Si Dieu doit arracher aux sorciers pour te donner, que Dieu arrache pour te donner. Si Dieu doit arracher à une autre personne, ça c'est pas mon problème. Mais toi seulement qui m'entends, la richesse doit te localiser. Je refuse les pleurs dans ta vie. Je refuse l'échec dans ta vie. Je refuse le blocage dans ta vie. Je refuse la misère dans ta vie. Tu ne dois plus être là plus penser demain, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais mourir pauvre? Mes enfants vont faire quoi? Je n'ai pas pu construire une maison. Je n'ai pas pu investir. Quel héritage je les laisse? Qu'est-ce que je vais faire? Ma vie là même. Ça s'arrête aujourd'hui au nom puissant de Jésus. À partir de cet instant où tu m'entends, quand tu te lèves, que ce soit les bonnes nouvelles qui te trouvent maintenant, quand tu marches, que ce soit les bonnes nouvelles, si tu faisais du commerce, du business, les clients qui t'ont oublié n'ont qu'à revenir dans ta vie. Les clients qui t'ont oublié, les clients, si tu avais un restaurant et qu'il y avait un client qui a mangé là-bas, il a aimé, et puis il est parti, il n'est plus jamais revenu, il n'a qu'à revenir maintenant. Oh, sakarabashikara. Si tu avais un commerce et que quelqu'un était venu un jour pour acheter quelque chose, il est parti, tu ne l'as plus revu, il n'a qu'à revenir. Les clients n'ont qu'à revenir. Les gens qui t'ont déjà vu, qui t'ont déjà tendu la main, n'ont qu'à se rappeler encore de toi. Ceux qui ont l'argent n'ont qu'à penser à toi. Ceux qui viennent seulement pour te demander l'argent, que Dieu les envoie ailleurs. Ceux qui viennent pour t'expliquer des problèmes, que Dieu les envoie ailleurs. Que maintenant ce soit les gens qui ont l'argent, qu'on te voit même là, que quelqu'un te voit et puis dit, ma soeur, tiens, je t'apprécie, tiens. Et mon frère, vraiment, je ne sais pas ce qui me prend, mais tiens, que les gens te donnent de l'argent. Que l'argent te localise. Même quand tu fais du commerce, si quelqu'un achète quelque chose, qu'il te dise, je garde la monnaie. Je dis que l'argent soit avec vous et je refuse que tu perdes de l'argent. Je refuse ce soir que tu fasses des dépenses. C'est toujours toi qui dépenses. C'est toujours toi qui sors l'argent. Mais l'argent ne revient plus chez toi. À partir d'aujourd'hui, ce que tu sors doit se multiplier par 10 pour revenir chez toi. Ce que tu sors comme argent doit se multiplier par 10 pour revenir immédiatement chez toi. Que Dieu ouvre ton esprit sur les bonnes affaires. Que le Seigneur ouvre ton esprit sur les choses qui vont faire, qui vont marcher dans ta vie. Que tout ce que tu touches, que tu entreprends se multiplie. Tout ce que tu fais, si ça n'a pas marché pour les autres, que ça marche pour toi. Ce mois de septembre s'arrête avec tes épreuves. Que le mois qui arrive là, à partir de demain même là, que maintenant tu commences à sentir le bonheur. Je dis, les clients qui t'ont oublié n'ont qu'à se rappeler de toi. Les gens chez eux n'ont qu'à te presser. Ils n'ont qu'à se dire, comment je vais faire pour aller lui donner de l'argent? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
La Bible dit que Isaac, là où il n'y avait pas de l'eau, quand il va creuser un puits, l'eau apparaît. On le chasse. Il va dans un autre lieu. Il va creuser. L'eau apparaît. Ce n'est pas l'eau qui était là, mais c'est Isaac qui transportait l'eau. Écoute-moi très bien. Que la bénédiction soit en toi. Partout où tu vas, dans le désert, que la bénédiction soit là. Là où on dit que les gens sont pauvres, quand toi tu arrives, la richesse n'a qu'à descendre. Deviens une source de bénédiction. Tout ce que tu entreprends, business, commerce, entreprise, affaires, projet, même si tu travailles pour quelqu'un, que tu as un salaire, que la personne te donne ton salaire et puis même mettre la main dans la poche pour te dire, tiens, te donne encore de l'argent au-dessus du salaire. Sois aimé. Sois aimé. Que l'impact du miel soit sur toi. Que l'impact du vin soit sur toi. Que l'impact du lait soit sur toi. Deviens comme l'arc-en-ciel. Deviens comme l'arc-en-ciel. Dans n'importe quelle situation, que la grâce soit une percée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare aujourd'hui, si l'eau existe, si tu te laves avec l'eau, si tu bois l'eau, si l'eau existe, je m'appuie sur l'eau aujourd'hui. Je déclare sur l'eau aujourd'hui. Si l'eau existe, si Dieu a créé l'eau, même dans la noix de coco, il y a de l'eau. Dans le canne à sucre, il y a de l'eau. Personne ne sait qui a mis l'eau là-bas. Si l'eau existe, que ma prière soit exaucée dans ta vie aujourd'hui. Que la pauvreté, l'échec, le blocage, si tu avais des contrats qui ont été annulés, qu'on te rappelle pour te dire que tu reprends l'activité. J'ai dit, si tu as un business, un commerce, un restaurant, tu vends des trucs et puis des gens t'ont fait des promesses, ils sont partis, toi t'ont acheté une fois, tu les as plus revus, ils n'ont qu'à tous revenir. Ils n'ont qu'à tous revenir. J'appelle leur cœur maintenant. J'appelle leur cœur dans ton salon de coiffure, dans ton restaurant, dans tes affaires, dans ton business, tes projets. Je déclare qu'ils se réalisent. Si quelqu'un t'avait aimé et puis il est parti, il t'a oublié, que cette personne se rappelle de toi aujourd'hui. Si un homme avait les moyens, tu as une femme, il est venu te promettre l'amour, tu as mis ton cœur sur lui, et puis il a disparu. Là où il se trouve aujourd'hui, que son cœur batte fort, et qu'il t'appelle, et qu'il revienne à toi. J'annonce au nom de Jésus, que le voile de l'échec est brisé. Le voile du blocage est brisé. Le voile de la malédiction est brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Sokarabashi, le bonheur dans ta vie. Avant de commencer ce direct, le Seigneur m'a dit, le bonheur va commencer dans ta vie et dans la vie de ceux qui te suivent. J'ai dit, Seigneur, tu es sûr. Et dit, c'est maintenant que vous allez compter l'argent. C'est maintenant que vous allez compter. Ceux qui se moquaient de vous vont maintenant fermer leur bouche. Je dis, Seigneur, j'en fais partie. Il dit, toi-même, tu vas voir. Il y a des gens qui se sont levés, qui ont dit, je vais aller bénir, je vais aller lui donner quelque chose, je vais faire ça. Et puis, on ne sait pas ce qui les a retenus, ils sont restés comme ça. Tout cela se rappelle de toi aujourd'hui. Malabré gauché. Maintenant, je prie au nom de Jésus, en ma qualité de oin de Dieu. Il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire que tant que le bonheur et la grâce ne m'ont pas accompagné toute ma vie, je ne peux pas aller habiter dans la maison de l'Éternel, ça c'est clair.
Ça veut dire que je ne peux pas vivre pauvre et malheureux sur cette terre. Et puis dit, c'est au ciel, au royaume des cieux. Ce qui se passe au royaume des cieux, là, je ne connais pas. On dit là-bas, il n'y a pas de commerce. Il n'y a pas de. Et on va pas. Il n'y a pas de, riches, il n'y a pas de pauvres. Mais où je suis sur la terre ici, il y a riches, il y a pauvres. Il y a du business, il y a le commerce. C'est ici que je veux commencer mon royaume des cieux. Je vais commencer ça ici. Tant que je n'ai pas vu le bonheur et la grâce, Seigneur, il t'est interdit de dire à la mort de s'approcher même de moi à des mètres et des mètres, à des kilomètres et des kilomètres. Tant que je n'ai pas connu des milliards et des milliards, il est interdit de dire à la mort de s'approcher de moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Aujourd'hui, je déclare la prospérité dans ta vie. Aujourd'hui, je combats tout démon de pauvreté. Que le démon de pauvreté prenne ses vêtements sales et quitte ta vie, quitte ta maison, quitte ton environnement. Le démon de l'échec ne doit plus partager ton environnement. Nous disons à Dieu aujourd'hui, si tu ne nous as pas rendus riches, tu ne nous as pas rendus très riches, ne compte pas sur nous pour dire, c'est dans le royaume des cieux, on va venir pour... La richesse du royaume des cieux n'a qu'à nous attendre. On veut la richesse de cette terre d'abord. Au nom de Jésus. Cette parole s'accomplit dans ta vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Certaines personnes vont croire que c'est seulement de la prédication, des paroles qui sont sorties comme ça. Mais je vous assure que je suis poussé par l'Esprit. Et toutes les paroles qui vont s'en sortir aujourd'hui s'appliquent à commencer dans ma propre vie et dans ta vie. Tous ceux qui ont cru en ces paroles qui ont dit Amen, ont reçu un nouveau changement. Les choses vont changer. La lourdeur, l'échec, le blocage, l'argent même, on dirait que l'argent a peur de toi, ça va s'arrêter. Tu vas commencer à vivre le bonheur parce que tu n'es pas né pour souffrir. Crois-moi et dis Amen. Que le Seigneur bénisse l'eau qui est avec vous. Que le Seigneur bénisse votre eau. Qu'il bénisse cette eau que vous allez boire, ceux qui ont l'eau avec eux. Que le Seigneur sanctifie cette eau, que l'Esprit de Dieu rentre dans cette eau et vivifie votre vie pour sceller le moment de prière actuel. Au nom puissant de Jésus, vous avez le psaume 16 pour bénir l'eau avant de boire. Psaume 16, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si Dieu veut, on se retrouve demain. Si Dieu veut, dans le cas contraire, ça sera après mercredi, mais si je peux, on va prier un peu lundi, si je peux, on va prier aussi mardi, mais mercredi, on ne pourra pas se voir, jeudi, c'est pas vraiment sûr, et on verra jusqu'à la fin de la semaine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom.